Si tu veux acheter tes cartes Xbox, PSN ou tes abonnements au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur Prestart, lien dans la description. Tu auras tout ce que tu veux à des prix très très bas. Et si tu veux prendre des crédits FUT17 ou des comptes avec des points FIFA, je t'invite à te rendre sur GoFIFAcoins. Avec mon coupon Cyril, tu auras une grande réduction. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une vidéo de ouf. Un nouveau Squad Builder. J'attendais ça avec impatience. On le sait depuis à peu près 2-3 semaines que c'est Ibra, le nouveau joueur disponible en SBC, en POTM, Player of the Month, c'est-à-dire le jour du mois de Première Ligue. Après notamment Hazard et Diego Costa, on va attaquer Ibra. C'est un joueur de ouf, c'est 92 de notes. Par contre, le budget, on est aux alentours de... Allez. Il y a trois défis en plus du défi Ibra. Personnellement, j'ai chopé Ibra à 560 000 sur le marché. Vous rajoutez, allez, 40 000 pour deux autres défis, plus à peu près 30 000. À vous de faire le total. On est à un Ibra à moins de 650 000 à peu près. Après, oui, je sais, c'est cher. Oui, on n'a pas les crédits. Mais moi, j'ai envie de le faire. Je vous propose en vidéo. Si vous voulez, les amis, vous faire plaisir, faire Ibra, eh ben, n'hésitez pas à reprendre les équipes que j'utilise parce que c'est souvent des petites équipes pas trop chères en fonction du collectif et surtout niveau prix. Ça, c'est très intéressant. Donc, pour le premier défi, ah bah, ils se sont pas fait chier. Hein. Un joueur suédois, oui, bah, c'est bien. Mais un joueur suédois de Manchester United. Et toi-même, tu sais qu'il y en a qu'un. Du coup, on va aller poser ensemble le Zlatan, les amis. Buteur, non, il n'est pas buteur dans mon club. Il est athée. Le voici, le grand Zlatan Ibrahimovic, acheté 560 000. Oui, ça fait cher. Ah, ça, c'est sûr, ça fait cher. Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Puis j'ai envie de le faire en plus. Donc, on pose Zlatan Ibrahimovic. Mais le point positif, c'est qu'on a un pack jumbo rare. Un pack à 100 000 crédits. Et ça, c'est un bon point parce que ça fait cher. Allez, on valide et on obtient Zlatan. Bah non, on valide le premier pour obtenir Zlatan SBC. Second défi assez simple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir énormément de joueurs dans mon club de Suède. Il faut 5 collectifs. Alors, normalement, vous pouvez tricher une fois. Voilà. C'est le cas ici. J'ai mis Durmaz pour avoir son collectif. Alors après, prenez vraiment en fonction des joueurs que vous avez dans votre club. On en a souvent des petits joueurs de Suède, parce que bon, ils sont pas très 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 chers, pas de grosses notes. C'est vrai qu'en vous regardez un petit peu les prix, c'est vrai que ça a augmenté un petit peu. On arrive à un défi à peu près, celui-ci on est à peu près 20k quand même, hein. C'est quand même assez conséquent, enfin c'est conséquent pour une toute petite team de Suède. Il faut un pack premium or. Donc voici tous les joueurs que j'ai utilisés. Le gardien par Hanson, le latéral droit Isaac, hein, c'est plus simple, ainsi que Johnson dans l'axe et Nilsson Lindelof, qui était un temps annoncé en Première Ligue, je crois, peut-être à Manchester, où j'ai plus trop, je l'avais vu dans les journaux. Latéral gauche, Vent, à droite, c'est un milieu gauche, Durmaz, mais 2MC, Helm, ainsi que Egdal, à gauche, Forsberg, qui fait un très bon début de saison en Bundesliga, les deux buteurs, John Guidetti, ainsi que Marcus Berg. Donc voilà, là c'est vraiment assez simple, on a à peu près 20 000 crédits à peu près pour ce défi. C'est difficile d'avoir des défis moins chers. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut un peu de Tech 59. Là, vous pouvez choper les joueurs vraiment à moindre coût. C'est vrai. Après, faire moins cher que cette équipe, c'est impossible. À part si, bien sûr, vous faites de la Tech 59. Là, c'est, entre guillemets, le même joueur, juste que vous les payez moins cher. Tout simplement. Donc, on valide et on obtient un pack premium. Or, ce qui est plutôt intéressant, vu des totis aussi, pourquoi pas taper du lourd. Hein. T'imagines, tu fais le défi de Zlatan et tu tapes un totis dans les packs. C'est très rentable, bien sûr. On continue avec l'aventure de Zlatan. Là, c'est pareil, il faut... Alors, soit un joueur de Malmö, soit un joueur de l'Ajax. Je peux vous conseiller un joueur de l'Ajax parce que déjà en note, c'est beaucoup plus élevé que les joueurs de Malmö. Et la plupart des joueurs de Malmö sont suédois. Donc, les prix sont élevés. Moi, je vous conseille un joueur de l'Ajax. C'est le cas ici avec Ziyech. Il faut au moins un joueur de l'Inter. Bon, j'en ai mis deux. Souvent par souci de collectif, j'ai mis Brozovic. De base, j'ai mis Joao Mario dedans, mais par Brozovic et pour améliorer le collectif. Deux joueurs informes. Alors là, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les informes les moins chers du marché. Après, pour un souci de collectif, essayez de prendre un informe qui se casse dans votre équipe. Là, vous pouvez le voir, on a fait une Serie A, on a mis Chechny au cage, donc on a 83 de général au gardien. Latéral droit, c'est Lichtsteiner. Dans l'axe, Acerbi, des maillots. À gauche, Patrice Evra, des Rossi, Brozovic, Ziyech. À droite, Joao Mario. À gauche, Dost. Et on a en pointe Mandzukic. Là, on arrive à un défi. Alors, vous prenez à peu près 14K pour Chechny, ainsi que, pardon,
13K pour Dost, on a 27K et sur le coût total, on est à peu près 31-32 000. Donc c'est pas trop cher, sachant qu'on a deux uniformes dedans et en plus ce sont des packs, enfin on obtient un pack aura, ce qui est plutôt intéressant. 3 défis sur 4, les amis, on enchaîne sur le dernier. Défi aussi cool celui-ci, hein, parce qu'il faut des joueurs un peu de tout, voilà, de Paris, de Barça, du Milan, de Manchester, en gros tous les joueurs, enfin les principaux clubs où Zidane est passé en Europe. 84 de notes, alors je me suis pas pris la tête, j'ai pris à peu près les joueurs. Là on arrive à un défi à peu près 20, entre 20 et 25 000 à peu près sur les deux plateformes. On obtient un pack joueur, un pack jumbo premium or, pardon. Ok, j'ai mis Trapp dans l'axe Oedes ainsi qu'un Bender. À droite, Bender, son frère. À gauche, j'ai mis Blind au terrain. À chaque fois, j'ai oublié son nom. Fernandez, pardon. Draxler, version, les amis, version. Wolfsburg, Götze, Honda, Arda Turan que j'ai passé AT. Et Guita, normalement pour le Guita, vous ne devez pas avoir de soucis. Si vous manque un ou deux points de colle, bah, vous connaissez les bails, vous mettez les joueurs au bon poste. Si des fois, parce que bon, Draxler, il faut savoir qu'il n'existe plus en version Wolfsburg. Or, il est quand même à 4K à peu près. Si des fois vous avez un petit souci, vous pouvez mettre un autre joueur de 84 du type Thiago Alcantara. Voilà, et ça passera crème. Voilà. Donc, les amis, on a fini ces 4 défis. On va obtenir Zlatan Ibrahimovic. Je compte sur vous pour lâcher les pouces bleus sur cette vidéo. Franchement, 1500, 2000, c'est le minimum sur des vidéos comme ça avec du Zlatan Ibrahimovic. Ce qui est intéressant, Zlatan, c'est que vous allez voir ce week-end, vous verrez la vidéo de mon équipe pour Futchamp. C'est une très belle BPL. Ceux qui ont suivi le stream donc vendredi matin, quand je vous parle, donc aujourd'hui même ce matin, on a joué qu'une très belle BPL. On va le mettre dedans. Bien sûr qu'on va le mettre dedans. Donc Zlatan à POTM, 92 de notes. Ça fait très plaisir. C'est un joueur phare, c'est un joueur qu'on en aime. En plus, il a 3 stats supérieurs à 90. Physiquement, toi même tu sais qu'il est monstrueux. En vitesse, tu lui rajoutes catalyseur, voire chasseur. Et c'est parfait. Donc c'est franchement un joueur qui mérite. Après, on l'a à peu près 630, 650 000. C'est cher, je sais. Mais bon, c'est un joueur top mondial, 92 de gêne. Donc bien sûr que ça vaut le coup. Et j'irai le placer dans mon équipe. Eh, franchement, elle est belle la photo en plus. Ah, ça fait plaisir. En plus, Zlatan, je l'aime bien. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va l'ouvrir les packs, les amis. Parce que oui, on a quand même 4 packs très intéressants. Dont un pack à 100K, ce qui n'est quand même pas rien pour le défi de notre ami Zlatan Ibrahimovic. Donc là, c'est le premier défi où il faut poser Zlatan dans l'équipe. Et bon, on va commencer dans l'ordre. Allez, c'est parti. Pack à 25K, 3 cartes rares. Bon, voilà. De toute façon, moi, toi-même, tu sais que dans les récompenses... Mais alors, les récompenses SBC, j'ai jamais rien. J'ai eu une carte uniforme en 675 packs de récompenses. On peut vous dire, j'ai vraiment rien. Espérons que, bah, que je vous mente et qu'on tape du lourd, même si ça ne sera point le cas. Sinclair qui était uniforme la semaine passée. On enchaîne sur le pack Jumbo Premium Or avec 7 éléments rares. On peut taper un petit truc intéressant, ce genre de petit pack. Surtout dans le pack à 100K buteur, il s'agit de... Penaranda, je crois que c'est ça, Penaranda, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, le vénézuélien, si je dis pas de conneries. Alors, Coquet, Nolan Roux, waouh, waouh, ça fait plaisir, oh, c'est ça, Venezuela, c'est bien ce qui me semblait. Allez, on discarde deux packs pourris, comme d'habitude, you know les bails. On enchaîne sur le pack rare. Ah non, pas d'animation. Oh là là, mais comment faut faire pour avoir de la chance? Johnson, voilà, petit joueur 78 de notes. Mais en vrai, c'est vrai qu'on a vraiment, mais alors vraiment rien. Peut-être que dans le pack à 100K, on peut taper du lourd. Allez les amis, on y croit. Moi, j'y crois pas, mais je vais faire genre que je vais y croire. Ok, c'est parti. 24 éléments, que des joueurs, tous en or, tous rares. Let's go. Pas d'animation, voilà, on n'a rien comme d'habitude. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Marco Verratti, 85 de gêne. Bon, ça passe, hein, on a connu pire, mais putain, quand même, quoi. Lâcher unanime, Bailly, pourquoi pas, Azpilicueta, Gustavo, Coman, Socrates, ouais, ça passe. En plus, ça se vend assez bien, ce genre de petits joueurs, surtout parce qu'il y a toujours les petits défis, etc., ça reste des 84. Mais bon, hein, les packs sont du type bien pourri sa mère. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez vu dans les packs, notamment le pack à 100K, si vous avez fait le défi de Zlatan. Parce que tu dépenses cher et au final, en gros, c'est comme si j'avais ouvert à peu près 5 packs à 100K. Hein. Au final, on n'a pas grand-chose de très intéressant. Le jeu peut peut-être se vendre.
et Coman aussi. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a débloqué Zlatan Ibrahimovic POTM. Je vous invite à bombarder cette vidéo de pouces bleus. Prenez soin de vous. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. Il y aura peut-être une ou deux vidéos. Je vais décaler aussi Pack to the Year, les amis. Samedi, parce qu'en gros, la vidéo de Zlatan, c'est soit je faisais Zlatan, soit je faisais Pack to the Year. Autant repousser Pack to the Year d'un jour comme ça. Ceux qui n'ont pas vu le Pack to the Year de mercredi, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!